Bonjour à tous, il y a quelques temps je vous avais lancé un défi qui consistait à sortir de votre zone de confort en dessin et on va aujourd'hui faire un bilan de tout ça. Il y a une vingtaine de participants desquels je vais parler. Petit retour d'abord sur la zone de confort en elle-même, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'entends par là Donc en gros pour moi la zone de confort c'est pas seulement les mêmes sujets qu'on va traiter ou les mêmes techniques qu'on va utiliser mais c'est tout ce qui a trait aux habitudes, aux automatismes, aux répétitions qu'on a dans notre création. Pour étendre cette zone là il n'y a pas 12 000 façons de faire, il faut sortir des habitudes qu'on a placées avant et de toutes ces choses qu'on fait à répétition toujours dans de la même manière. En gros, ça veut dire faire de l'exploration, aller dans des terrains qu'on connaît pas encore, et justement, bah, vous êtes sortis chacun à votre façon de votre zone de confort, et on va faire le tour maintenant. Il y a différentes façons de sortir de sa zone de confort. On peut changer de format, on peut changer de support, de technique, d'outils, de méthode de travail, de méthode de réflexion dans la façon de trouver ses idées, etc. Et par exemple, Jade, elle a décidé de changer de format en passant du format A5 au format A4. Ça a donné cette image qu'on voit ici. Donc j'aime bien le côté relief, on va dire, parce que tu as fait sortir du cadre ton dessin. Et ce que je dirais, c'est vraiment de changer drastiquement de format, parce que là, tu es passé du A5 au A4, mais on va dire que relativement, c'est à peu près le même ratio. Donc il n'y a pas tant de différence que ça en termes de composition dans ce que tu ferais. Par exemple, on va dire que si tu étais habitué à toujours faire du format paysage. Une grosse différence et une grosse sortie de zone de confort serait peut-être de passer au format portrait parce que là justement faut penser tout différemment en termes d'éléments pour pouvoir remplir correctement ta page et raconter ton histoire dans l'autre sens. Ensuite il y a aussi les changements du support en passant par exemple du support physique au support numérique donc en passant du papier ou des toiles à la tablette graphique et aux ordinateurs. C'est le cas par exemple de Justine qui a une tablette graphique récemment d'après ce qu'elle me dit qui dessine d'habitude sur papier et que ce défi était l'occasion de présenter son premier dessin numérique. Donc j'espère que depuis que tu as fait ce premier dessin bah tu en as fait plein d'autres pour pouvoir t'améliorer justement dans la gestion de ton trait avec une tablette graphique, parce que c'est une transition qui est plus ou moins facile selon les personnes, je dirais. Et la manière de faire la plus répandue dans ce que vous avez envoyé, c'est globalement de changer d'outils Et c'est ce qu'a fait par exemple Moji Art qui passait de ses marqueurs, de ses feutres et de ses crayons de papier à des crayons aquarellables, donc en gros des crayons de couleur pour pouvoir utiliser différemment ces outils. Et dans sa vidéo, elle montre aussi bien ce qu'elle a réussi que ce qu'elle a raté et son avis sur cette expérience là. Là, j'étais beaucoup moins impliqué, j'ai des beaucoup moins clair parce que, une fois que je me suis rendu compte que. Qu'avec le, le crayon papier, j'ai m'autoisé des erreurs que, et pas avec le crayon de couleur. Je me suis dit, ben c'est bon, je peux y aller au feeling. Sauf que non, il faut quand même que je garde, que je reste concentré et que je reste attentive à ce que je fais. Il y a une autre façon de faire également, c'est celle de changer complètement son mécanisme de pensée et la façon dont on génère nos idées. On peut habituellement simplement recopier des images qu'on trouve, par exemple, et changer complètement en faisant du dessin d'observation. Et il y a par exemple Ludie Kne... Qui s'appelle Ylu5 sur Instagram. Je vais vous lire ce qu'elle a expliqué. Lors de mon trajet en transport pour aller au travail, j'ai aperçu un groupe de policiers avec des expressions du visage et de corps qui m'a amusé. Je les ai imaginés en robots en reprenant leur attitude et leur démarche avec des formes et des lignes plus droites et géométriques, ce qui n'est pas une habitude pour moi. Et je peux voir que avant de faire ce dessin, tu as pris soin de compiler certaines références d'images pour ensuite l'imprimer et puis avoir une, un modèle à côté, de quoi t'inspirer et tout. Et c'est une super démarche, je trouve. Il y a un truc que je voyais certaines personnes faire et que j'ai jamais vraiment fait, c'est d'avoir des dossiers dans son ordinateur qui compile plein d'images qu'on trouve partout, des références, des inspirations, classées par artiste, par date ou juste pas classées du tout. Et c'est une sorte de grosse masse avec plein d'images qui peuvent nous donner des idées. Donc ce serait peut-être pas mal de faire ça et peut-être de faire une vidéo sur comment... Compiler comme ça plein de ressources avec différents sites et tout. Donc, il faut que je me renseigne là-dessus avant de vous la faire parce que pour l'instant je sais pas comment faire. Mais je pense que ça pourrait être sympa de faire ça. Et c'est à mon avis ça vraiment l'essence du fait d'observer le monde autour de nous pour le retranscrire dans nos histoires, dans nos images. C'est justement de choper des attitudes, des gestes, des expressions qu'on voit autour de nous et les incorporer dans nos personnages pour qu'ils deviennent vivants justement. Ensuite il y a Antoine qui a simplement testé une technique en renversant du café sur une feuille et en retravaillant la forme au pinceau pour former l'image d'un couple qui s'embrasse. J'aime bien l'idée et surtout le fait qu'il ait laissé la tasse de café dans l'image, ce qui donne vraiment l'impression qu'on la laisser tomber et que ça a vraiment donné cette tâche là. Ensuite, il y a Madi Crocky qui nous parle d'une technique particulière qu'elle a utilisée qui s'appelle en anglais le grayscale et en français l'échelle de gris. Et si je dis le terme en anglais, c'est justement parce qu'elle parle ensuite d'un tutoriel qui l'a aidé à utiliser cette technique et qui est en anglais. Une vidéo qui a été faite par l'artiste Marco Bucci qui s'appelle Le procédé pour passer des valeurs de gris à la couleur et pourquoi je n'utilise pas cette technique. Et pour résumer, ce qu'il explique dans sa vidéo, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que si on passe des valeurs de gris à la couleur, on aura pensé toute notre composition, toute notre lumière, tous nos volumes avec ce Seulement du noir et blanc et il va falloir ensuite ajouter poser de la couleur par-dessus ça alors que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace à mon avis aussi de directement mélanger ses couleurs, de directement poser ses lumières, comment la lumière se reflète sur telle ou telle couleur, et justement ça va changer la couleur de la lumière selon l'élément sur lequel elle se reflète, parce que les couleurs ça n'existe pas, c'est juste de la lumière qui va se refléter sur un truc et qui va nous renvoyer, bref, ça c'est de la physique, et il explique très bien tout ça dans sa vidéo, donc je vous laisse des liens pour aller la regarder. Et voici donc les quelques dessins qu'a fait Maddy à partir de cette technique. Donc elle a d'abord dessiné tout ça en valeur de gris pour ensuite poser la couleur par-dessus. Encore une fois, il n'y a pas forcément de règles spécifiques à suivre, vous pouvez vraiment utiliser toutes les techniques que vous voulez, explorer autant que vous voulez. Mais je conseille quand même au départ de ne pas trop utiliser la couleur et de faire des illustrations en noir et blanc histoire de comprendre justement bah, les formes, les valeurs, comment créer du volume à partir de la lumière, donc juste à partir de nuances, et en parallèle ou ensuite de passer à la couleur. Vous êtes libre, encore une fois, ne vous prenez pas la tête sur ces défis là, c'est pas un truc avec des enjeux énormes, c'est juste vous, votre pratique et votre conscience. Ensuite, il y a Aoi Limitis qui a fait une vidéo pour montrer son processus de dessin justement avec seulement du feutre noir et de l'encre. Anaïl qui explique qu'elle a l'habitude de dessiner sans crayon gris parce qu'elle trouve ça plus rapide et que ça laisse les erreurs s'exprimer. Mais qui, pour ce défi justement, a décidé de retourner sur les crayons gris. Par contre, comme tu as mis un lien vers ton Tumblr et pas vers un post en particulier, bah je sais pas trop de quelle image tu voulais nous parler. Donc je fais défiler un peu tout ça. Il y a pas mal de choses. Allez voir, de toute façon, il y aura les liens de tout dans la description avec. Les noms de chacun. Ensuite, il y a Ornella, ou plutôt devrais-je l'appeler Lost Wolf Cursed Soul. Sur Instagram, qui a décidé de travailler à l'aquarelle et à l'encre de Chine, alors elle explique qu'elle a utilisé du gros sel pour faire quelques effets, mais que c'est pas très concluant. Et c'est ça justement l'expérimentation, c'est de choper plein de trucs un peu partout et de pouvoir juste mélanger des choses et voir ce que ça donne. Ça peut être complètement nul comme bien, je trouve que ça passe bien plutôt dans ces images. À mon avis, mon dessin préféré dans ta série c'est celui-là. Je sais pas trop pourquoi, il me semble plus expressif. En parlant de technique un peu particulière qu'on n'a jamais essayé il y a ensuite Deizana Chan qui a voulu essayer un effet de craquelure sur la peinture. Bon, c'est un peu dommage que le dessin ne soit pas le centre de l'image. Hein. Donc tu dis ne pas être Très satisfait de ton dessin mais qu'en tout cas tu as réussi l'effet que tu voulais faire et c'est justement ben, ça l'idée de la chose c'est de tester et je suis sûr que si tu en fais encore 10 20 ou 30 à la fin, il y aura vraiment des trucs intéressants qui vont en sortir et qui te sembleront justement beaucoup plus aboutis parce qu'ils le seront à force. Ensuite, toujours sur les changements d'outils, il y a lus 3T qui a décidé de faire du dessin d'observation avec des feutres scolaires. Donc, je sais pas trop ce que tu appelles des feutres scolaires, j'imagine que tu parles des feutres tout basiques qu'on trouve dans les magasins. Et surtout, j'aime beaucoup les personnes qui utilisent plein de couleurs différentes pour faire des dessins d'observation parce que j'ai tendance à vraiment tout faire en noir et à respecter quelque part les couleurs qui sont devant moi. Alors que justement, j'aime beaucoup quand quelqu'un prend un paysage ou un décor ou un salon ou une chambre, j'en sais rien, et qui en fait juste un dessin avec des couleurs qui n'ont rien à voir avec les couleurs qui sont devant le lui, mais qui pourtant utilisent plein de couleurs qui sont complètement harmonieuses les unes avec les autres et ça donne un résultat qui est vraiment vraiment cool à regarder quoi. Il y a Olivier Robin aussi qui une nouvelle fois a fait une vidéo pour expliquer sa démarche et qui a montré comment est-ce qu'il a fait différents croquis d'observation de modèles vivants avec différents outils, principalement du stylo bic. Et j'aime bien voir comme ça tes expérimentations. Il y a des choses qui sont mieux faites que d'autres évidemment parce que c'est des expérimentations. Voilà en rouge j'ai fait les pauses deux minutes et ensuite euh, je suis revenu dessus pour retravailler euh, sans limite de temps en noir. Et en vert, en vert j'ai fait les, les formes, en noir les contours. J'ai, enfin j'ai fait la correction. Enfin j'ai refait euh, des formes correctes en fait. Voilà. Bon c'est parce qu'en fait euh, quand on est limité euh, dans le temps, euh, on dessine pas euh, quand on a, enfin quand on tout le temps on dessine euh, voilà. Dans sa vidéo, on peut voir qu'il a fait des dessins en 5 minutes, d'autres dessins en une minute, et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on réagit dans ces situations-là. Parce qu'évidemment, quand on dessine en 30 secondes ou en une minute, on n'a pas du tout la même façon de procéder que quand on dessine en 10 minutes. Ou en tout cas, vous pouvez l'avoir au début, mais vous allez vite vous rendre compte que ça marchera pas. Parce que si vous commencez à poser les détails et que directement la position change, vous n'aurez pas pris le temps de capter la pose globale et justement d'avoir tout ça en tête pour pouvoir ensuite la simplifier. Donc à mon avis, exercice indispensable, le modèle vivant en 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, pour... Voir la différence et comprendre un peu comment on travaille à ce niveau là. Ensuite, il y a Valéine de la Sylve qui a un autre nom complètement différent sur Instagram qui s'appelle Zoe Paint 7. Qui m'explique justement qu'elle a décidé de faire une façon un peu différente en ne changeant pas le technique mais en changeant de sujet. Elle s'est rendue compte qu'elle a du mal à faire des portraits et des mains, donc elle a décidé de faire des portraits et des mains pour en faire davantage et apprendre. Bref, elle a décidé de travailler quoi sur ce qu'elle ne sait pas encore faire correctement. Et c'est intéressant aussi de voir que tu t'essayes à différentes techniques à travers justement cette volonté de travailler sur des portraits. Ensuite, il y a Steven Coupen qui me dit que son but ici c'était de mélanger efficacement les Watercolor donc euh, des crayons aquarellables j'imagine enfin l'aquarelle, le bic et le feutre et par contre encore une fois comme tu mets juste ton Instagram et que ben je sais pas à quel moment tu as posté les choses pour ce défi je sais pas trop de quoi tu parlais j'imagine que c'est ça vu que ça date de novembre et que ça a l'air d'être fait justement au bic et au feutre donc je vais partir du principe que c'est ça en tout cas je montre quelques images vous pourrez aller voir sur Instagram aussi, si ça vous intéresse Ensuite, il y a Swan Draw qui a pour habitude de dessiner des personnages de comics et qui, justement, ici a essayé à la fois de dessiner d'autres choses et d'utiliser d'autres techniques. Après, j'ai dessiné trois personnes venant du site Line of Action que je mettrai en description. Je ne vais pas m'attarder sur la première car elle est ratée, mais je suis content des deux autres, surtout celle de gauche, au niveau des ombres, des plis du tissu et le visage. Et il a même fait un petit portrait de ma tronche au passage, donc merci. Je trouve qu'il est pas si raté que ça, parce que tu dis qu'il est raté, moi ben je trouve que ça va. Même si effectivement il est peut-être pas le plus ressemblant du monde, c'est vrai. Puis il y a un peu plus de barbe maintenant aussi. Ensuite il y a Esprit Launa qui a fait différents dessins directement au stylobique, pour justement ben, éviter d'avoir des crayons et d'avoir à faire des corrections, à gommer et tout ça, parce qu'on ne peut pas le faire. Ensuite il y a Mylan qui a fait simplement un dessin, et je ne sais pas trop quelle est ben, la différence avec ce qu'il fait d'habitude, parce que je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, quand je vais voir sur sa page, il y a deux publications, et je pense déjà que celui-ci. Est plus intéressant que celui-ci. Parce que justement, il y a un travail en plus sur la couleur et je trouve qu'il y a juste une histoire qui se passe alors que dans l'autre, il n'y en avait pas. Donc je te conseille vraiment de partir sur ça si tu as envie de raconter des choses. Ensuite, il y a le travail de Cassandre qui explique que petit dessin rapide d'un marais au pastel migra et gras pour le défi du mois de novembre. Le défi consistait à dessiner avec une technique pas encore testée et je crois que c'est la seule technique que je connaisse et que je n'avais jamais vraiment testée. Elle s'est rendue compte également qu'elle aime pas du tout travailler cette technique-là donc c'est assez intéressant de tester des trucs et de remarquer que ah, ça, j'y arrive pas. Et j'aime pas. Donc là, bon, c'est vraiment l'alerte totale. Ne le faites pas, quoi, si vous n'y arrivez pas et que vous n'aimez pas et que vous n'avez pas envie de le faire plus. Pff. On Arrête donc il y a ce premier poste là où elle a dessiné justement un marais au pastel gras et dans le deuxième, elle a continué avec le pastel gras mais en disant qu'elle est repassée dans sa zone de confort parce qu'elle a dessiné des chevaux et qu'apparemment elle a l'habitude de le faire. Et c'est pas du tout un problème de redessiner ce qu'on a déjà dessiné. Si on veut changer de technique, on peut très bien dessiner des choses qu'on a déjà faites. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Ensuite, il y a Reda Hart qui a fait du dessin d'observation et qui explique justement que la difficulté c'était de ne pas pouvoir gommer et de devoir être rapide dans ses dessins. Alors pourquoi la rapidité Ben bah, tout simplement parce qu'on voit. Dans les modèles qu'il a pris, il y a un chat qui dort, donc il ne veut pas bouger tellement, mais il y a aussi une voiture, des éléments comme ça, et aussi des personnes. Donc c'était vraiment des modèles en mouvement qui faisaient leur vie, quoi, sans se préoccuper que quelqu'un les dessine ou pas. Et c'est là évidemment qu'on se rend compte de la difficulté du dessin vivant, donc de dessiner des gens, des animaux, des choses qui font juste leur vie autour de nous, parce que justement on ne contrôle rien, on ne contrôle pas le modèle, on peut pas le manipuler pour voir sous tous les angles comment ça se passe, et on est obligé de synthétiser et de garder l'essentiel. C'est vraiment là-dessus que je pose le point le plus important. On doit être rapide et garder l'essentiel. Déjà pour aiguiser notre œil et voir les choses plus simplement, plus synthétiquement, juste des formes simples, rapidement. Et aussi améliorer notre geste parce qu'il va falloir penser à comment avoir un trait efficace le plus simple possible. Et on termine avec le dernier dessin qui est celui de Ruru ou Ruru ou Ruru qui nous explique Habituellement je dessine au crayon ou autre, mais même si je ne me suis mise à la colorisation numérique, j'ai toujours eu peur à l'idée de remplir directement mes dessins sur papier. Du coup voilà, j'ai fait d'abord le remplissage au pro-marqueur avant d'accentuer les traits au carré pastel. Je suis content d'avoir sauté le pas, on ferai plus souvent. Et à mon avis, c'est une bonne façon de conclure en disant je suis content d'avoir sauté le pas, on ferai plus souvent, parce que justement, bah, c'est toute l'idée ici, c'est de pouvoir essayer d'autres choses pour pouvoir ensuite continuer à explorer, s'améliorer dans ce domaine-là ou dans d'autres, et juste continuer à apprendre. Donc, pour conclure, je dirais que dans les participations que vous avez envoyées, il y a souvent assez peu de production, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dessins. Et je pense que pour s'améliorer, enfin, c'est même pas que je pense, c'est une vérité, quoi, c'est un fait. Pour s'améliorer, il faut produire davantage pour faire davantage d'erreurs et pour apprendre davantage de ces erreurs-là qu'on aura faites en masse. Et si on ne dessine pas en masse, on va faire des erreurs petit à petit, ponctuellement comme ça, et donc on mettra des années à apprendre ce qu'on aurait pu apprendre en quelques mois. En dessinant énormément et en ratant beaucoup de choses et en remarquant tout ce qu'il y avait à corriger un peu plus rapidement. Donc, ensuite, encore une fois, ça dépend de votre objectif. Tout le monde n'a pas envie de devenir dessinateur professionnel et de vivre de ça. On peut avoir simplement envie de dessiner de temps en temps des choses qu'on apprécie, de reproduire des choses, de s'amuser, d'apprendre, etc. sans avoir envie d'avoir une discipline de faire et de dessiner tous les jours. D'ailleurs, moi, je dessine pas tous les jours du tout. Je devrais certainement si je veux beaucoup m'améliorer, mais je le fais pas en tout cas. Et donc, pour apprendre, pour s'améliorer, il n'y a pas de secret du tout. C'est produire des choses, répéter analyser ce qu'on a fait, savoir corriger là où on a mal fait les choses. Donc voilà, je vais m'arrêter là par rapport à ce défi zone de confort. Il y a un autre défi dont je vais faire le bilan bientôt, qui était sur le fait de reprendre une ancienne illustration et de la refaire. Et justement, la prochaine vidéo de la chaîne, ce sera celle où je refais une illustration, enfin une idée, un personnage que j'avais eu en 2013 avec mes compétences d'aujourd'hui, donc avec tout ce qui se passe en termes de référence, de mise en scène et tout, je vous parlerai de tout ça concrètement. De façon compacte. Et pour ceux qui sont intéressés par les défis créatifs de la chaîne, il y en a un tous les mois et celui qui est en cours en ce moment, donc en janvier, a pour thème l'animation. Donc l'idée c'est de faire de l'animation sur ce que vous voulez, qui parle de ce que vous voulez, juste de faire de l'animation. Je vous mets un lien ici pour savoir comment participer aux défis animation. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.